Salut Chris, je vais te faire partager un de mes rêves. J'ai rêvé que mon corps réel était un espèce de corps qui se régénère sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Et ce corps est endormi. Et ce corps qui se régénère sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, est constamment découpé, utilisé pour nourrir quelqu'un, des gens, une race. Et ce corps est branché sur des casques de réalité virtuelle. Et il rêve. Voilà, il rêve. Et la vie éternelle est en lui, dans ce corps. Il rêve notre réalité de tous les jours, qui lui est induite pendant que les autres le mangent et le dévorent sans arrêt et sans fin, pour l'éternité, des siècles et des siècles. Amen. Un autre rêve, c'est que nous sommes dans un ordinateur quantique et qu'un fragment de l'ADN disparu depuis des éons de temps, des éons de temps. Un fragment de l'ADN de l'humanité a été retrouvé par des races qui ont décidé de faire revivre l'humanité dans une espèce de simulation. Donc cette réalité que nous vivons, cette simulation tirée d'un brin d'ADN perdu dans l'espace ou retrouvé, je ne sais de quelle façon, un petit peu comme dans le film Intelligence artificielle à la fin. Et qu'on était juste un filament dans un bac, un ordinateur quantique, parce que le mot veut rien dire et en fait il veut tout dire aussi, une espèce de truc comme ça. Et c'était ça l'humanité, c'était ça notre humanité. Enfin, notre système, notre réalité, quoi. C'était ça, c'était rien en fait. C'était rien du tout. Alors c'est des rêves que j'ai faits après des méditations, des méditations vipassana où on passe beaucoup de temps à se concentrer et puis on passe la journée complète à méditer constamment et c'est des rêves qui ont été très très récurrents et je te cache pas, très déplaisants. Voilà, très déplaisants. Voilà, bon, allez, je te fais des bisous, abonne-toi, ciao.